Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venus si nombreux pour rendre cet hommage à notre collègue Camille Alexandre, que vous connaissiez tous bien mieux que moi, et que moi aussi j'ai connu. C'était un collègue, un confrère qu'on ne peut pas oublier, avec qui j'ai démarré ici en Martinique. Camille laisse un souvenir mais vraiment impérissable. Et il est avec nous aujourd'hui. Il est certes parti physiquement, mais je sais qu'il va nous accompagner aujourd'hui parce qu'il a dit à ses proches, il faudra continuer à travailler comme j'ai toujours souhaité travailler au sein de cette maison. Vous connaissiez sa force et sa verve au travail. Et nous devons tous lui rendre hommage aujourd'hui. Je vous invite donc à observer une minute de silence. Face à l'écran. Tout le monde parle de Don Camillo, je crois pas du boss, c'est plus récent. Don Camillo, nous animions à l'époque avec le post-match, le secrétaire général du comité olympique, soirée, grande soirée de gala, de remise des prix des meilleurs sportifs de l'année, 450 personnes, et Camille arrive avec un borsalino, croisé, la bouton, vraiment le mafieux avec la boutonnière. Je dis voilà Don Camillo avec nous, donc c'est toute mon histoire avec lui, vous savez le reste, Martin Première, le Tour du Yol. Le Tour du Yol ne sera jamais plus rien, ne sera jamais plus un Camillo. Mais c'est aussi quelqu'un de conscient, quelqu'un qui savait qu'il fallait qu'en tant que salarié, qu'il soit organisé, même s'il ne l'exprimait pas sur tous les toits à tout moment. Et ma présence ici, c'est aussi pour exprimer cela, pour être avec vous, parce que c'est des moments extrêmement douloureux. Et moi, tout ce que j'ai retenu de Camille, un grand professionnel, un grand journaliste martiniquais. Merci.